Bonjour, nous sommes au Salon des marchés financiers et nous recevons Ilya Goncharov, responsable de l'analyse technique de Worldata. Bonjour Ilya. Bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de Worldata, qui est donc un éditeur de logiciels de trading. Qu'est-ce que vous proposez ? Donc, Worldata propose à des investisseurs particuliers ou professionnels des solutions d'aide à la décision en analyse technique. Donc, notre but, c'est de fournir les différents outils qui permettent à chaque investisseur, trader, quel que soit le marché, d'intervenir, de prendre ses décisions beaucoup plus facilement. Gérer ses positions, les clôturer au bon moment, en fait, vraiment encadrer le trading par des outils méthodiques, clairs, qui sont très différents des robots de trading, parce que ce sont des outils toujours paramétrables, adaptables à des besoins personnels et qui couvrent vraiment tous les domaines dans l'analyse technique. Est-ce que vous conseillez des stratégies, des méthodologies ? On propose, voilà, chez Worldata, on propose des stratégies en fonction du profil de chacun. C'est-à-dire, on a aussi bien des stratégies basées sur le retournement de tendance, donc pour ceux qui sur le retournement de tendance, donc détection de retournement, de points d'inflexion du marché, telles que sont les divergences. On propose des stratégies de suivi de tendance, qui sont par exemple des méthodes connues comme des méthodes tortues ou des méthodes personnelles à Worldata, notamment market phase indicator. Et on propose des outils d'investissement à long terme. Donc si je résume parmi ces trois outils, on en a bien plus, mais c'est vraiment, on couvre l'ensemble des domaines de l'analyse technique et chacun peut trouver l'outil qui lui convient. Alors vous dites en fonction du profil des investisseurs, comment est-ce que vous définissez ce profil justement ? Comment vous leur conseillez la stratégie qui pourrait leur convenir ? Moi je pense que le profil de chacun doit dépendre de trois éléments. Capital qu'on dispose, on ne va pas faire du day trading avec un capital qui ne le permet pas. En fonction du temps qu'on dispose, les positions qu'on prend en 5 minutes, il faut être devant son écran pour les gérer en 5 minutes. C'est suicidaire la prendre et partir au travail. Et donc, le temps qu'on dispose, day trading, swing trading, investissement. Et le troisième demain, c'est en fonction des préférences de chacun. En analyse technique, je pense que chacun a ses facilités. Certains vont être plus à l'aise avec le suivi de tendance, d'autres avec les retournements de tendance. Donc voilà, c'est trois questions que chacun doit se poser avant d'intervenir. Parce que sinon, on travaille contre sa nature, donc ça ne réussit pas. Est-ce que vous conseillez sur tout type de sous-jacent, tout type de marché ? Oui, l'ensemble des marchés qui s'y prêtent à l'analyse technique. C'est-à-dire, on ne va pas afficher le graphique des options, mais par contre, on a tous les sous-jacents, les devises, les matières premières, et même des SICAV pour les investissements à long terme. Les personnes qui viennent vous voir sont plutôt quel type de profil ? Ils viennent chercher quel type de stratégie ou quel type de marché ? Je dirais qu'on a vraiment l'ensemble. Il y a une partie de notre clientèle qui est orientée trading, day trading, voire jusqu'à scalping sur les devises. Il y en a des clients de ce type-là. Et après, il y a, bon, Worldata a plus de 25 ans. Donc on a quand même beaucoup des investisseurs particuliers qui gèrent aussi leur PEA avec nous depuis toutes ces années-là. Donc voilà, notre clientèle se décompose de cette façon-là. Comment protégez-vous le capital ? Comment vous leur conseillez de protéger leur capital ? Nous, on conseille surtout, déjà, protéger le capital. Moi, je pense que dans la protection du capital, bon, il y a des choses classiques comme placement des stops, etc. Mais je pense qu'il y a surtout la gestion de ses émotions. Ce qui vous protège le plus dans le trading contre les pertes, c'est de ne pas commencer à partir dans tous les sens. Donc déjà, le fait de leur proposer des outils, de les encadrer, ça donne une protection de capital. Et bien sûr, on propose des outils classiques comme des stops de protection qui se déplacent dans le sens de votre position, les stops trailing stop ou stop glissant, et qui permettent de générer les alertes à partir du moment où la situation ne tombe pas dans votre faveur. Donc vous apportez aussi une sorte de coaching au niveau psychologique ? On a des formations, voilà. On a aussi une sorte de formation qui est Worldata Institute, qui propose des formations pareilles, adaptées selon différents profils. Vous allez trouver des formations axées à retournement de tendance, les formations axées day trading, les formations axées investissement. Donc, très bien. On cherche toujours à couvrir l'ensemble des besoins. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.